Je suis Estache Agompé, artiste, peintre, plasticien et écrivain engagé dans l'histoire et l'environnement. J'ai commencé le milieu artistique depuis tout petit. Depuis 2016, je me suis plus engagé à l'histoire parce que j'ai remarqué que l'histoire du peuple africain n'est pas très bien connu ou n'est pas très bien enseigné dans les écoles occidentales. Donc j'ai pris cet engagement de pouvoir, à travers mon œuvre, raconter l'histoire liée de l'histoire de Béhanzin, des tirailleurs sénégalais, du massacre de Tiaroï, de tous les conflits qu'il y a eu en Afrique. L'engagement dans l'environnement, c'est par rapport aux matériaux que j'emploie, donc c'est du marc de café, du charbon de bois, dans un thème vraiment très ancien, comme le faisaient en fait les premiers artistes africains. Un petit tableau de 50 sur 50 que j'ai réalisé en 2017 du roi Béhanzin. Dans Béhanzin, il faut dire que c'est le dernier roi du Bénin qui a été déporté pendant la colonisation, un résistant à la colonisation. Un roi à qui j'ai rendu hommage l'année dernière avec une tournée dans toute la France, 8 villes de France, pour parler de Béhanzin. C'est un tableau qui est réalisé avec, là on a le côté crépus des cheveux, donc c'est fait avec du marc de café. Dans le fond, nous avons du marc de café, du kaolin. Le noir, c'est du charbon de bois. Ce côté argenté des capsules de bouteilles et du tissu également récupéré pour habiller le roi Béhanzin. C'est une partie d'un grand monument du Bénin qui se trouve à la place Goro. Donc la place Goro est à l'entrée de la ville d'Abomey. Et Abomey est à 2 heures de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Donc ce grand monument est un monument historique qui a une histoire avec le changement qu'il y a eu dans la vie de Béhanzin. Donc le 24 janvier 1894, c'est à cette place publique qu'on appelle Goro que Béhanzin va rencontrer le général Alfred Amédée Dodds pour se rendre en France. Donc place Goro, c'est un lieu emblématique en fait et historique. La reine Tassi Rangbe. La reine Tassi Rangbe est la seule femme qui a régné sur le trône du Dahomey 2 siècles avant Béhanzin. Tassi Rangbe est la sœur jumelle du roi Akaba qui va décéder en pleine guerre et le conseil royal va demander à la sœur jumelle, puisque les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eau, de se faire passer pour son frère. Donc Tassi Rangbe va accepter, elle s'habille comme son frère, elle va au front et va remporter beaucoup de victoires. Donc c'est également pour moi, Tassi Rangbe c'est une figure emblématique, la reine mère des Amazones, puisqu'il faut dire que pendant que Béhanzin, dernier roi du Dahomey se battait contre la France, Béhanzin, dernier roi du Dahomey se battait contre la France, il va y avoir plus de 5000 femmes amazones qui vont aider Béhanzin à protéger ses terres. Donc je ne pourrais pas retracer l'histoire de Béhanzin sans rendre hommage aux Amazones à travers la reine Tassi Rangbe. Si pareil, hein, donc j'ai essayé pendant mes recherches scientifiques je suis tombé sur des photos d'archives, des cartes postales du roi Béhanzin. Donc c'est des tableaux qui parlent toujours de Béhanzin, des petits tableaux, mais de différentes étapes de sa vie. Il y a des moments où il était un peu plus jeune, il y a des moments où on sentait un peu la fatigue. Voilà un peu pour l'histoire de ce tableau. Donc ça a été fait dans le même style, les mêmes matériaux, charbon de bois, kaolin, des capsules, des bouchons de canettes et du tissu. Ce bateau, on appelle le Sicarcia. Le Sicarcia, qui a une histoire très grande et très forte. Le Sicarcia est un bateau britannique qui va transporter les tirailleurs sénégalais donc de Morlaix en Bretagne vers Tiaroï. Et ce qui va se passer à Tiaroï, c'est que... Tiaroï 44, ce qui va se passer, c'est que plus de 300 tirailleurs sénégalais vont être assassinés par le général Massé Dayan, qui était commandant des troupes des forces noires, le 1er décembre 1944. Et donc ces tirailleurs étaient enterrés dans des fosses communes autour toujours Sénégal. Donc ici on est toujours au Sénégal, on est sur famille de tirailleurs. Il faut dire qu'au retour des tirailleurs au Sénégal, quelques tirailleurs vont quand même aller vers leur famille pour dire écoutez, on est arrivé, on va aller prendre nos primes et on reviendra faire la fête. Donc en quelque sorte on revoit ici enfin, ce tirailleur qui revient, il y a sa femme qui est habillée en tissu africain, son enfant derrière, mais c'est des familles qui ne reverront plus jamais leurs parents, parce que jusqu'à aujourd'hui, autour de Tiaroï, dans les villages au Sénégal, dans différents pays africains, il y a beaucoup de familles de tirailleurs qui sont partis, dont les enfants sont partis au front, combattre pour la France, mais qui ne les ont plus revus jusqu'à aujourd'hui. Nous avons ici ce bateau, que j'ai appelé Difficile mais je fonce. Reprend un peu l'histoire de Béhanzin, parce que Béhanzin, quand il partait du Dahomey, Béhanzin, il faut dire qu'il s'est rendu, comme je le disais, Béhanzin s'est rendu, il a résisté pendant 4 ans à l'envahissement de la France. Il se rend, mais quand il partait du Dahomey, donc le 11 février 1894, Béhanzin ne savait pas effectivement ce qui se passait. Pour lui, il se rendait en France, mais quoi qu'il va être déporté plutôt en Martinique. Donc on voit ce bateau qui est flottant, en pleine tempête, qui il y a du brouillard, qui peine à avancer, avec beaucoup de vent, il est mouvementé. Donc difficile, mais je fonce. Donc c'est en quelque sorte Béhanzin qui s'exprime. J'y vais. Pour moi, je reviendrai voir mon peuple, mais je ne sais pas comment ça va se passer devant.
tableau de Béhanzin, donc qui fait 94 sur 114, réalisé avec du marc de café, du kaolin, du tissu, du charbon de bois, des capsules de bouteilles. Et ce grand tableau a fait tout le tour de la France l'année dernière pour rendre hommage à Béhanzin. Nous sommes ici sur les liens, donc les liens qui parlent en fait des liens du brassage culturel qu'il y a en Afrique, du brassage qu'il y a entre les peuples. On voit différents liens, on voit la terre, les raisons pour lesquelles il y a tellement de guerres en Afrique, donc les ressources minières qui sont très, très convoitées. C'est en même temps aussi une façon en fait, de sensibiliser sur la protection de notre environnement et de tous les conflits qu'il y a aujourd'hui en Afrique et dans plusieurs pays. Le plus grand tableau de Béhanzin, donc il y en a 12 de cette série-là, de 94 sur 114, qu'on fait tout le tour de la France l'année dernière pour retracer l'histoire de ce grand monument d'Afrique, du Bénin notamment, monument historique qu'est Béhanzin, résistant à la colonisation. Donc ces 12 tableaux ont retracé toute son histoire dans ce style, dans ce même format.